on est des élèves normaux, mais avec des plannings aménagés. Et on est un peu des emplois du temps des ministres, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que nos cours, au collège, c'est de 8h à 13h. Et après, à la maîtrise, ça peut aller de 14h à 18h. Dès le début, ils nous ont expliqué. Puis en CM1, il y a les 4 heures de répétition qui sont arrivées. Et on a compris qu'on n'était pas à la chorale de l'école. La maîtrise, elle nous a vraiment donné cette envie de devenir toujours meilleur et d'apprendre plus de choses. Mais en fait, la maîtrise, ça nous apporte plus que le chant, parce que ça nous permet de rester concentrés, de garder son calme en moments difficiles, de se contenir. Ça nous apprend des choses sur la littérature. Ça, en anglais aussi, ça aide un petit peu, parce que comme on chante un peu en anglais, bah, ça aide un peu. Et en fait, c'est un peu partout. Bah, vu qu'on est tous ensemble, on s'entraide. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui habite à Bondy qui peut pas chanter avec Paris. On est tous à la même estrade. J'aime bien chanter ensemble. Comme là, on est en train de travailler sur le Requiem de Gabriel Fauré. Et par exemple, il y a une musique, c'est Liberame. Avant, j'aurais pas du tout écouté la musique, mais maintenant, je l'aime bien. Parce qu'on habite dans le 93 que directement on est une délinquance ou quelque chose comme ça. Parce que bon, certes, il y a des trucs qui sont pas voilà, qu'il y a de la délinquance dans le 93, certes, mais malgré qu'on habite dans le 93, etc., on peut quand même faire des longues études, on peut intégrer la maîtrise de Radio France, on peut faire de bonnes choses. Quand on dit on fait de la musique classique, les gens ils pensent directement que c'est un peu les clichés, genre c'est des choses d'anciens, de vieux et tout. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça la plupart des gens. Parce qu'il y a des gens peut-être qui veulent faire de la musique, mais avec l'effet de groupe, ils ont peur que leurs amis les délaissent. Voilà. Ça peut les empêcher parce qu'ils n'ont pas envie d'être différents, c'est ça. Nous, on fait de la musique classique, mais aussi on peut faire des choses différentes. Par exemple, l'année dernière, on a participé à la finale de l'Euro 2016. On a chanté des hymnes. On chante dans des endroits incroyables. Par exemple, quand on était en primaire, on avait chanté à Matignon devant le Premier ministre. C'est pas des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. C'est du travail, etc. Et ça se mérite. Et après, les copains, ils se disent « Ah oui, ma chance, c'était comment ?» Au final, c'était eux les premiers à rigoler. Et c'est les premiers à être déçus et à être contents pour nous. C'est vrai que le milieu social et la classe dans laquelle vivent nos parents, ça induit sur nous. Mais ça n'empêche rien. On peut être né dans des ghettos ou je vais dire comment, dans des bidonvilles et finir avocat ou premier ministre. Ça change rien. C'est le travail à fournir est plus compliqué. À partir du moment où on est plus pauvre, mais quand on veut, on peut. Tu peux donner vie à tes rêves. Faut pas se dire oh j'habite dans le 93, du coup j'aurai moins de chance que celui qui habite dans le 16e. Faut se dire que si j'ai envie de faire quelque chose, faut que je le fasse. Et la maîtrise, malgré tout, ça va nous aider, ça nous a aidés. Ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit sur plusieurs choses. Ça m'a permis de comprendre plusieurs choses. Ça m'a permis de savoir chanter, de jouer du piano, de faire des concerts extraordinaires. Ça m'a permis beaucoup, beaucoup de choses, de faire des rencontres auxquelles je ne m'attendais pas. Par exemple, mon copain peut très bien devenir un ministre, comme il peut devenir quelqu'un, un boulanger, je ne sais pas. C'est vraiment lui qui décide. Et je voudrais vraiment remercier la maîtrise parce que ça se trouve, si j'y avais pas été, j'aurais été comme ceux qui traînent tout le temps, qui font des bêtises, les voyous du 93. Ça se trouve, j'aurais été comme ça si j'avais pas été à la maîtrise.